Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, bonsoir Daphné. Bonsoir Malek. Bonsoir Mylène. Bonsoir, Alex. Bonsoir Daphné. Est-ce que je dois encore vous les présenter? Oui. Oui. Je savais. Donc, je ne présente plus Daphné, mais je vais quand même la présenter. Voilà. Daphné, notre chère chroniqueuse chez les Boss Ladies, qui va encore nous sortir un bon français bien soutenu. Et nous c'est te ça. Remercions d'avance pour cela. Mais de rien. Et Mylène, qui est avec nous déjà depuis un petit moment. Hein, ça y est, hein, t'es plus nouvelle, ça y est, bon, t'es une habituée, tu fais déjà partie de l'équipe, n'est-ce pas? Tu es installée. Hein. Très bien. Eh ben, merci. Merci les filles pour cette émission. Je crois qu'elle sera formidable, bien n'est-ce sûr. Pas? Oui. Ok. On va remercier qui de droit, n'est-ce pas? Mm-hmm. On va remercier l'apôtre Alain Patrick, qui est le visionnaire de cette chaîne. Nous te remercions, apôtre. Merci, apôtre. Merci, apôtre. Et nous remercions le Seigneur également pour Pasteur Paulette, pour la ministre Sabrina, qui est la directrice de cette chaîne. Et nous remercions également Pasteur Grasse qui est la CEO de Les Boss Ladies. Donc si tu arrives aujourd'hui et que tu ne connais pas encore Les Boss Ladies, eh bien sache que ce fauteuil, on me l'a prêté. Hein, voilà, ça. Et c'est Pasteur Grasse qui m'a prêté sa place. C'est ça. Voilà, donc c'est elle la CEO et nous te remercions, nous t'embrassons très très fort, nous pensons à toi ce soir. Bisous Pasteur Grasse. Et nous remercions également les équipes qui sont derrière les caméras. Oui, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il y a des équipes derrière les caméras, donc nous remercions David, nous remercions Jean-Paul, nous remercions également toutes les maquilleuses dirigées par Marisa. Regardez comment elles nous ont sublimées. Yes. Voilà, nous remercions toute l'équipe. Et vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci, merci de vous être merci connectés. Beaucoup. Merci de nous suivre aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. Nous en tiendrons compte, n'est-ce pas? Bien sûr. Vos commentaires, vos retours sont importants pour nous. Mm-hmm. Et donc, nous vous disons merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Bon, ce n'est pas que les autres thèmes ne sont pas importants, mais celui-là nous permet de mettre le doigt souvent sur quelque chose qui nous empêche d'avancer. Vraiment. Et quelque chose qui peut être éphémère. Est-ce que je dois annoncer le thème? Vas-y, s'il te plaît. Laisse l'honneur. Développer la culture de l'auto-valorisation. Wow. Amen. C'est carrément une culture. Mm. C'est une habitude qu'on doit prendre. Mm-hmm. Se valoriser, apprendre à se valoriser. Ne pas toujours attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Mm, oui. Bon. Il y a un proverbe là qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, bon, c'est pas valable pour tout. On peut nuancer en oui. étant chrétienne. Justement, on va nuancer sur certaines choses. Mais en ce qui concerne l'auto-valorisation, j'ai envie de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Donc, il est important notamment de connaître sa valeur, n'est-ce pas? Bien pour pouvoir sûr. Se valoriser, il faut connaître sa valeur. N'est-ce pas? C'est ça. Et nous avons la grâce, au travers de la parole de Dieu, de connaître notre valeur et notre identité. Mmh. Mais qu'en est-il pour ceux qui ne savent pas comment faire? Mmh. Donc ce soir, on va vous apporter quelques clés, d'accord? C'est une liste non exhaustive. Hein. Ne dites pas que les boss ladies ont dit c'est comme ça, et on ne sort pas des bords. Hein. D'accord? C'est une liste non exhaustive. Mm. Mais voilà, le but pour nous ce soir, c'est de pouvoir vous aider à vous valoriser, mais tout en étant équilibré. OK? Amen. Faut qu'on voilà, qu'on qu'il y ait un juste milieu. Juste, exactement. Oui. C'est ça, hein, les filles, n'est-ce pas? On va d'ailleurs parler de l'équilibre, donc vraiment, ce sera bénissant ce soir. Exactement. Amen. Donc restez connectés. Merci, Mylène. Restez connectés parce qu'on va parler de l'équilibre, mais tout à l'heure. Donc jusque là, vous allez nous suivre. Amen. Ok. Donc les filles, qu'est-ce qui peut amener justement donc une personne à ne pas se valoriser? Qu'est-ce qui fait que voilà, dans sa vie, on arrive à un point où on ne se valorise pas en fait? On a du mal à le faire.
Alors moi, je commencerai par dire qu'une personne va se dévaloriser lorsqu'elle n'accepte pas qui elle est et qu'elle a, elle a envie ou qu'elle a le souhait d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Mais attends, mais ça, c'est même un thème qui mérite un sous-thème. Mais oui, parce que j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait être quelqu'un d'autre? Ben parce qu'on considère que l'autre est meilleur sur plusieurs points que nous, en fait, tout simplement. Alors, les autres peuvent être meilleurs en sport, en mathématiques ou en quoi que ce soit. Et il n'y a aucun problème à reconnaître que quelqu'un est meilleur que soi. Mais lorsque je vais dire que pourquoi une personne est amenée à se dévaloriser, et le point que j'avance, c'est parce qu'elle a, elle aurait envie d'être quelqu'un d'autre, c'est en rapport avec ce qu'elle est, pas en rapport avec ce qu'elle fait. D'accord ? C'est ça. Donc, toute sa personne et tout ce qu'elle représente, elle considérera que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas satisfaisant, que ce n'est pas assez bien. Et du coup, elle va projeter cette, cette carence en sublimant, en magnifiant le voisin ou l'autre personne qu'elle voit un peu de loin. Et du coup, ça crée de l'auto-dévalorisation. Exactement. Mais ils ont une identité qui n'est pas la leur. Quoi. C'est ça. Alors que tu nous as vraiment donné une identité, un modèle à suivre, et le modèle qui suit n'est pas le bon. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en réalité, ils ne connaissent pas la vérité sur leur propre personne. C'est ça. Ils se dévalorisent parce que les gens ne connaissent pas leur valeur. Et j'aime ce que la parole de Dieu va dire dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous affranchira. Yes. Donc, la vérité vous rendra libre. Amen. Quand vous connaîtrez votre valeur, vous serez libre. C'est ça. C'est ça, en fait. Oui. Et comme ça, vous arrêterez de vous calquer sur une autre personne. C'est ça. Et c'est d'ailleurs parce qu'on se calque sur les autres personnes, mais qu'on n'arrive pas à se sentir heureux, à se sentir libre. Exact. Parce que l'autre personne, elle est ce que nous ne devons pas être, en fait. C'est ça. Parce que nous sommes autre chose. Et en souvent, fait. Quand justement on se calque sous la vie des autres, on laisse aussi ce champ, cette ouverture aux autres, de pouvoir parler sur notre vie, d'avoir vraiment cet impact négatif sur les choses, la manière de nous voir, les choses qu'on veut faire. Et la Bible dit bien dans le Proverbe 18-21, la mort et la vie sont pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elle aura produits. Donc vraiment se rendre compte que si nous laissons la porte ouverte en voulant à tout prix avoir l'avis des personnes, usurper une identité qui n'est pas la nôtre, ne pas connaître notre identité, on laisse vraiment la porte en fait au fait d'accepter que les paroles dévalorisantes des autres, certes il y aura des paroles dévalorisantes, mais c'est notre choix de les accepter ou de les rejeter. C'est ça. Et pour ça il faut vraiment connaître son identité, tu vois. Mais parfois on les accepte parce qu'on n'est pas conscient de son identité. Et exact. C'est ça le problème. Et donc on va accepter les mauvaises paroles parce que parfois on se rend même pas compte que c'est mauvais. On se dit ah ok. Et surtout ça dépend aussi de la personne qui nous donne ces paroles. Exactement. Parce qu'on peut aussi recevoir une éducation. Alors quand on va parler d'éducation, c'est pas que les parents, d'accord, il faut se le dire. Oui. Il n'y a pas que les parents qui nous éduquent, il y a aussi les personnes qui nous entourent, les personnes à qui on se réfère. Ce sont eux qui font notre éducation. On l'avait évoqué lors d'une émission précédente, mais ce qu'on écoute aussi va nous éduquer. Donc il faut faire attention à toutes ces choses. Donc quand on va parler d'éducation, on ne pointe pas les parents, mais on va parler vraiment de toutes ces choses-là auxquelles on se réfère. Et puis il y a les images aussi qu'on nous impose. Oui. On nous dit que, en fait, les réseaux sociaux, autant on comprend que ce sont des plateformes pour que chacun puisse s'exprimer son originalité, mais aujourd'hui, on sait très bien que c'est utilisé pour véhiculer certaines images, certaines valeurs, une certaine manière de se conduire, et ça change d'une génération à l'autre. Il y a longtemps, c'était la blonde très mince, et puis après, on est passé à la femme brunette, voluptueuse et tout, avec les formes. Donc, ça change. Mais en fait, c'est ça, et c'est là où les réseaux sociaux peuvent poser un problème, parce que beaucoup de personnes vont s'identifier aux gens, comme on va dire, instagrammables. Ouais. C'est même devenu un terme. Et pourtant, eux, ils ne ressemblent pas à ce qu'ils ressemblent sur les réseaux. Les amis, je vais vous donner un secret. Là, je vais vous révéler quelque chose. Photoshop. C'est ça. Si vous ne le saviez pas, Photoshop. Mais d'ailleurs, il y a une loi qui a été décidé pour les influenceurs, notamment, c'est de dire lorsqu'ils utilisent des filtres.
Waouh, ça c'est magnifique. Ils sont obligés d'indiquer sur leur poste avoir recours à des filtres pour leur image, pour protéger aussi les consommateurs de leur réseau, et notamment peut-être aussi les plus jeunes générations, mais on ne va pas se leurrer, ce n'est pas que chez les jeunes finalement qu'il y a des complexes. Bien sûr. Voilà, et qu'il y a de l'auto-dévalorisation. Hein. Ce n'est pas que les jeunes gens qui se cherchent. Non, même des personnes qu'on peut dire accomplies, finalement, peuvent manquer de valeur. Et un autre point que je voudrais aussi citer sur pourquoi finalement on se dévalorise ou comment on en vient à se dévaloriser, c'est qu'on s'identifie à ce qu'on fait ou à ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que tu te définis ou tu décides que ton identité est basée sur ce que tu fais. Donc si tu es une personne qui fait des bonnes actions, ça veut dire que oui, j'ai de la valeur et que vous devez m'accepter, vous devez m'aimer pour ça. Et si je fais mal, ah ben non, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas. Alors que les actions ne doivent pas définir qui nous sommes. Il y a une différence entre faire et être. Exactement. Et j'avais suivi tout récemment un reportage sur une chanteuse qui était vraiment à succès, qui au bout d'un moment de sa carrière, quand elle était au point culminant de sa carrière, justement a eu comme une dépression parce que les gens aimaient les actions. Oui. Mais pas la vraie personne. Donc, elle a basé toute sa stratégie artistique, musicale et tout sur la base de quelqu'un ou de quelque chose qui n'existait pas. Wow. Mais c'est pas la vraie elle. C'est ça. Et du coup, lorsqu'elle a réalisé, mais ça, c'est pas moi. Wow. Les records, les disques vendus, oui, mais ce n'est pas ma personne. C'est pas moi. Et du coup, ça a été très compliqué pour elle par la suite. Et pour finir, je veux toujours revenir à Christ parce qu'on est chrétienne et finalement ce qu'on aime partager, que le Seigneur soit glorifié. L'œuvre du Christ, elle est basée sur la mort et la résurrection de quelqu'un. Amen. Elle n'est pas basée sur ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quand je dis ce qu'il a fait, c'est que c'est pas basé sur les miracles, c'est pas basé sur les guérisons. Demain, vous allez chez un féticheur, il peut vous guérir, en fait, d'un mal. Vous pouvez aller chez un sourcier ou, je ne sais pas, quelqu'un qui lit le pendule et on peut vous donner des breuvages ou faire des choses. Cette personne, elle pourra peut-être éradiquer le mal, mais c'est pas la question. La question, c'est de s'identifier en une personne qui est Jésus-Christ et qui est assis sur le trône de gloire. Amen. Voilà. Et comme le disait notre homme de Dieu, l'apôtre, souvent, on va s'investir sous l'image et non sous l'intégrité, alors que l'important, c'est vraiment notre intérieur. Et souvent, les personnes vont plus projeter l'extérieur, l'entretien de l'image que les autres ont d'eux, alors qu'ils ne travaillent pas sur l'image, la chose qu'ils sont réellement. Et souvent, c'est pour ça que les stars, les personnalités publiques, souvent, ils se retrouvent à basculer souvent dans des maladies mentales, dans des dépressions. Parce que tout simplement, lorsque toutes les lumières sont éteintes, lorsqu'ils se retrouvent seuls chez eux, sans leur... Ils font face à leur vrai eux, Ils se regardent, ils se disent, mais... Enfin, qui je suis, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et c'est vraiment, ça. Ils se disent, mais ce que je suis vraiment, personne ne le connaît et personne ne l'aimerait finalement pour ce que je suis. Donc, je suis obligée de rester dans mon personnage pour plaire finalement. C'est ce qui s'appelle s'inventer une vie. C'est ça. Non, mais c'est triste, vrai. C'est vrai. Ce qui s'appelle s'inventer une vie. En fait, on s'identifie à ce qu'on n'est pas. C'est ça. On ne travaille pas ce qu'il faut travailler. Et on espère être transformé. Le schéma n'est pas bon. On nous dit souvent, on a appris et on l'a aussi expérimenté nous-mêmes en étant chrétienne, il faut d'abord être pour avoir. Mais oui, donc qui tu es va déterminer ce que tu seras et même ce que tu feras. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui va poser de bonnes actions, ça ne veut pas dire que c'est une bonne personne. Voilà, donc on peut poser des bonnes actions... Mais le cœur n'y est pas, en fait. Et ce genre de choses ne perdurent pas, en plus, en général, quand ce n'est pas fait avec le cœur. D'ailleurs, la parole nous dit que Dieu regarde au cœur. Ce sont les hommes qui regardent, en fait, à l'apparence, qui regardent à ce qui frappe à l'œil. En fait, voilà, donc, à qui est-ce que vous voulez plaire? Est-ce que c'est aux hommes ou à Dieu? Ou est-ce que c'est à Dieu? Donc, moi, je crois... c'est en accord avec la parole, qu'il faut d'abord plaire à Dieu. Donc, il faut travailler vraiment son cœur. Même la Bible nous le dit, qu'il faut garder notre cœur parce qu'il est source de la vie. C'est notre cœur qui est source de vie. Donc, il faut vraiment entretenir son cœur. Il faut d'abord travailler son intérieur, son être intérieur, en fait, pour pouvoir projeter justement quelqu'un de bien, pour pouvoir projeter qui nous sommes réellement. En fait, c'est ça la vérité. C'est qu'on doit d'abord entretenir son
cœur pour connaître sa valeur. Amen. 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 Ah là là, mais il y a tellement de choses à dire en fait. Il y a riche, tellement de choses à dire en fait sur ce point qu'on pourrait en faire toute une émission. Oui. D'ailleurs, Daphné, je vous ai dit avec son français, elle a commencé, n'est-ce pas? Oh. Et on allait même développer un sous-thème dans un point qu'elle a apporté. Mais oui, bon, c'est pourquoi pas. Peut-être hein, une prochaine émission. Qui sait? Mais oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Vraiment, ce thème sur la dévalorisation, c'est très intéressant. Restez avec nous, les amis, jusqu'à la fin, parce que comme je vous l'ai dit, on va parler d'équilibre. On va aussi vous donner quelques mots d'encouragement. Donc, restez, ne partez pas. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. OK. Donc, ah oui, alors attendez, j'avais aussi un autre point. Que Mylène a soulevé tout à l'heure, mais qu'on n'a pas trop étayé, par rapport aux choses que les gens peuvent dire sur nos vies, les déclarations. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit quelque chose de mauvais sur nous? Déjà, ben, on ne l'accepte pas, premièrement. Et ensuite, on détruit, on brise, on renverse la parole qui a été dite, soit en disant le contraire de nous-mêmes, soit du coup en disant tout simplement je brise cette parole qui a été dite sur moi, ce découragement, cette dévalorisation qui a été dite à mon encontre, vraiment je l'annule, je la brise, et vraiment avoir cette conscience, pas juste le dire, mais vraiment avoir la foi que cette chose était contraire à ce que tu es et que ça n'arrivera pas de toute façon. Amen. Alors moi je dirais aussi se poser la question pourquoi je l'accepte. Parce que finalement on accepte ce sur quoi on a été construit. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Amen. Et c'est pas que bonne nouvelle, c'est en fait une bonne nouvelle tellement bonne qu'il est difficile de la croire. En réalité, c'est ça que ça veut dire évangile. Et c'est difficile à croire, pourquoi ? Parce que l'humain est malheureusement, depuis la chute d'Adam et Ève, sous la loi du péché. Donc comprendre qu'il y a des choses bonnes pour lui, des choses excellentes et merveilleuses, c'est compliqué. Mais c'est parce que c'est basé sur la loi du péché, à la base. Ouais. D'accord ? Donc du coup, toi, pourquoi est-ce que tu acceptes ta mauvaise pensée ? Mais c'est parce que tu es construit d'une manière qui est négative. Donc ça va être plus logique pour toi de croire que effectivement cette parole de dévalorisation, elle est vraie. Alors qu'à l'inverse, une Mylène qui va arriver toute gentille et qui va te dire « Oh mais Malex, tu sais, quand tu portes ce rouge à lèvres, ça te va super bien », tu vas avoir du mal à le croire. Exact. Donc, se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi j'y crois ? Pourquoi j'accepte ça ? Osons remettre en question les façons dont nous nous sommes bâtis. Osons des fois remettre en question ce que nous représentons ou ce que nous pensons représenter, parce que ça peut être basé sur des fausses croyances. Et justement, se dévaloriser ou croire que nous ne sommes rien ou que nous ne valons pas grand-chose, finalement, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Et j'ai même envie de dire par rapport à ça, qu'en réalité, on le sait que ce sont des mauvaises paroles parce qu'on n'est pas à l'aise avec ce qu'on est en train de nous dire. C'est ça. Et on voit que ça nous détruit. Voilà. Alors, si on vous dit des mauvaises paroles, jusque-là, vous pensiez que c'était normal, mais en vous, ça produit vraiment quelque chose de bizarre, un sentiment négatif qui fait que vous vous recroquevillez, que vous comment on dit, se retourner sur soi-même là, se replier, se renfermer, exactement. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas bon et vous ne devez pas accepter ces paroles. C'est ça, en fait, le corps, il envoie des signaux aussi. Le corps envoie des signaux. Même, voilà, vous sentez que après qu'on vous ait fait un discours dévalorisant, que vous vous sentez pas bien, c'est un signal, en fait, que c'est pas bon pour vous et que vous n'avez pas à vous nourrir de ce type de paroles parce que, finalement, ça va laisser un mauvais fruit. Et comme tu l'as dit, la langue, en fait, elle produit un fruit. Ça peut être un bon fruit comme un mauvais fruit. Un mauvais fruit, bien sûr. On va féliciter, on va faire des compliments à ces personnes qui se trouvent médiocres, qui se trouvent pas assez, en fait, courageuses, pas assez excellentes. Et quand, justement, ils vont recevoir ce compliment, ils vont dire mais non, je trouve que j'ai pas fait assez, j'ai pas atteint le niveau que je voulais, où je voulais aller, alors que le progrès est là, l'acte est là, l'excellence est là. Il faut tout simplement se rendre compte que si quelqu'un te le dit et que si cette personne est bien intentionnée, elle te le dit pas pour te mentir, c'est que c'est la réalité et que c'est toi qui dois faire ce travail de déraciner les mauvaises choses que certains ou que toi-même des fois a planté en toi pour recevoir les compliments, recevoir les bonnes choses que les autres ont à t'apporter. Parce que souvent, on fait les autres mentir. On dit aux personnes que ce que tu dis est faux. Ce que tu dis, tu te fais signer sur moi, c'est faux.
Aïe, aïe, aïe. C'est ça, mais ça, c'est un problème parce que justement, ça, c'est pour les personnes qui sont trop exigeantes avec elles-mêmes aussi. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, on peut être exigeant avec nous-mêmes, mais il faut être équilibré, c'est en ça. Fait. Il faut être équilibré. C'est-à-dire que faut aussi se laisser le droit à l'erreur. Parce c'est que ça. Je crois que s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'innovation. C'est ça. Ah, wow. Surtout la bienveillance envers nous. Souvent, on parle de bienveillance envers les autres, mais il y a aussi la bienveillance envers nous-mêmes. Envers soi-même. S'accorder, en fait, s'aimer soi-même et s'accorder du crédit, s'accorder du temps pour que la manifestation du projet de Dieu puisse vraiment avoir lieu, mais en sa saison. C'est vraiment ça. Ne pas se dévaloriser parce qu'on ne voit pas les choses arriver tout de suite. Amen. Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est ça. Donc, il faut se laisser le droit à l'erreur. En fait, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas, tout simplement. C'est ça. Donc, et puis, peut-être se dire, ce n'est pas une erreur, mais je vais découvrir une nouvelle façon de faire les choses. C'est ça. Donc, moi, je crois vraiment que le langage a une grande importance. Le langage a vraiment de l'importance pour se bâtir, en fait, pour bâtir notre être intérieur. Donc, le fait de dire les choses à voix haute, c'est ce qui va nous construire aussi intérieurement. Amen. C'est pourquoi donc on dit de ne pas accepter les mauvaises paroles, parce que si vous les acceptez, c'est ce que vous allez devenir, malheureusement. Yes. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, rejetez ces paroles qui créent en vous un sentiment de mal-être et dites le contraire. Quelqu'un qui vous dit « tu n'es pas capable », alors à la limite, on ne vous dit pas de cracher au visage de la personne. Non, on n'a pas dit ça. On reste chrétien, on reste le fruit de l'esprit, bien sûr. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est je veux ça, dire, personne ne crache au visage de l'autre. T'imagines, parce qu'il y a des parents qui sont comme ça, par exemple, ou des personnes aînées. Ça peut être un grand frère, une grande sœur, grand cousin, etc., qui va dire, mais tu n'es pas capable. Alors, tu ne vas pas lui manquer de respect parce que tu n'es pas au même niveau que cette personne. Exactement. OK ? Mais tu vas peut-être l'écouter comme ça. Et après, tu tournes les talons et tu dis, je suis capable. Amen. C'est ça. Je suis une personne forte, je suis agile, je suis habile, je suis une bonne personne, etc. etc. Voilà. Donc là où on va dire tu n'es pas, refuse. Alléluia. Et souvent les pasteurs disent qu'il faut souvent déclarer en disant je suis, parce que je suis c'est vraiment le propre de Dieu, le fait de dire je suis merveilleux, je suis magnifique, je suis intelligente, vraiment c'est le propre de Dieu. Et c'est souvent dans nos déclarations pour ceux qui ont vraiment besoin de ce courage tous les jours pour voir réellement la vraie chose, la vraie image que Dieu a d'eux, tout simplement de dire je suis ça, je suis tel, je suis cette chose. Amen. Et ça permet vraiment d'avoir ce courage, d'avoir cette foi, cette assurance que nous sommes réellement ces choses. Amen. Et petit à petit, ce sera tout à fait normal, tout à fait naturel. Et on va revêtir tout naturellement ces choses qu'on a déclarées aussi longtemps qu'on en a besoin, quoi, finalement. Amen. OK. Donc, pour faire un petit récap, les choses qui vont nous amener à nous dévaloriser, donc il y a la mauvaise éducation, il y a les mauvaises paroles, il y a le fait aussi d'être trop exigeant avec nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on a dit encore, là ? On a dit le fait de préférer l'autre. Ah oui. De croire que l'autre est toujours meilleur. Oui. Et puis, s'identifier par rapport à ce qu'on fait de bien et pas bien. Merci Daphné, je vous l'avais dit. Mais oui, alors c'est là qu'on va soulever du coup un nouveau point par rapport à ce qu'on a abordé juste tout à l'heure, ok ? Le fait d'être équilibré, le fait d'être humble. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça ? Alors dans Proverbes 29-23, la parole nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Waouh. Voilà. Donc, l'orgueil, c'est vraiment le contraire de l'humilité. Donc, OK, il faut se valoriser, mais... Faut être équilibré. Faut être équilibré. Et surtout, le thème s'auto-valoriser, il y aura un temps pour s'auto-valoriser, il y aura également un temps pour écouter les critiques, écouter les remarques, écouter vraiment les choses que les sages, nos autorités, nos parents ont à nous dire et ne pas se dire « Non, je me suis auto-valorisée ce matin, donc ce que tu m'as dit n'a pas d'importance, n'a pas d'intérêt pour ma vie. » Amen. Et derrière ta critique, j'irai dans ma chambre et je vais m'auto-valoriser encore sans tenir compte des choses que tu m'as dites, tu vois. Et c'est vraiment ce que dit, par exemple, Proverbe 15:31-33 qui dit « Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages, qui refuse d'être repris, se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel est une écoute de sagesse.
avant d'être honoré, il faut savoir être humble, tu vois. Wow. Amen. C'est vraiment ça. Il faut certes s'auto-valoriser, c'est très bien, comme on l'a dit dans les précédentes parties. C'est vraiment une clé pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. Mm-hmm. Mais c'est aussi important pour l'équilibre, pour l'humilité, de savoir également se rabaisser, savoir écouter, savoir être mis en place, aimer la correction aussi. Oui. Et pas forcément les paroles négatives, dévalorisantes, mais les critiques constructives, je dis bien. Oui, c'est bien différent. Exactement. Oui. Donc, il faut savoir également écouter les choses qui sont bonnes pour nous. C'est ça. Et vraiment identifier les choses bonnes pour nous, même si elles ne nous font pas plaisir. Exact. Alors, je dirais que l'orgueil, c'est quelque chose qui va malheureusement sortir des cadres, qui sort des bords. C'est de l'abus, en fait. Il y a un enseignant qui disait que l'humilité, c'est de s'apprécier à sa juste valeur. Yes. Donc, il y a de l'appréciation, mais l'appréciation qui est juste. C'est une appréciation qui ne sort pas des cadres, qui ne sort pas finalement de ce qui va être sain pour une personne ou pour quiconque écoutera cette valorisation qu'on pourra verbaliser. Mm-hmm. D'accord ? Donc, nous avons par exemple David qui va dire dans le psaume 139 au verset 14 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça veut dire que même en se valorisant, il n'oublie pas que ce qu'il valorise, ce qu'il apprécie de lui-même, en fait, est tiré de la part d'un créateur qui fait les choses à la perfection. Amen. Je me rappelle que j'avais un ancien responsable du groupe des jeunes qui disait que la création révèle le créateur. Wow. Ça veut dire que lorsque tu réalises que quelque chose est bien fait, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a bien fait. C'est ça. Donc, une personne qui est humble, c'est une personne qui peut très bien voir qu'il est beau, qu'il est intelligent ou qu'elle est belle, qu'elle sait parler, mais qui reconnaît que même dans son degré le plus élevé de perfection, il y a toujours un cran au-dessus. C'est de ne jamais oublier que en fait t'es pas le centre du monde. Et souvent dans la société, on va promouvoir le self-made, le fait que les personnes se font seules, les personnes se construisent seules. Et souvent, c'est ce qu'on essaie d'inculquer justement à ces personnes, que on doit être justement ces God-made, ces personnes qui sont façonnées par Dieu et qui reconnaissons, comme le disait Daphné, qu'il y a une puissance au-dessus, que nous avons également des autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, nos parents également, et que nous ne sommes pas faits seuls. On s'est fait grâce à des personnes. Amen. Et souvent, y en a qui en ont conscience, mais qui préfèrent se mettre cette étiquette de self-made. Parce que c'est bien vu, tout simplement. C'est ça. Tu vois ? Donc, du coup, le fait de ne pas croire en Dieu, c'est de l'orgueil. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, on sort d'où ? Oui, et puis même tout ce qui a été créé, là, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. En un claquement de doigts, c'est arrivé. Vous savez, même dans l'histoire, même de la science, peut-être que tu sauras dire, mais il y a un savant qui a une fois reconnu que la Terre n'était pas le centre de l'univers et qui a été vraiment très critiqué, voire qui a failli être tué pour ça, lorsqu'il a reconnu que la Terre était placée dans un système qui gravitait lui-même autour du Soleil, qui gravitait encore autour d'autres galaxies, etc. Parce que, en fait, t'es pas le centre. Et ça a beaucoup suscité donc de réactions négatives dans la manière dont on éduquait les personnes, dont on parlait aux gens. Non, en fait, t'es pas le centre du monde. C'est ça. Lorsqu'on vient apporter une connaissance, une révélation qui n'est pas la leur, c'est faux forcément. C'est ça. Ils ne prennent pas forcément la conscience et n'acceptent pas quelque chose qui n'est pas selon leur mentalité. Parce que ça a été bien enraciné dans leur tête et c'est bien dommage. C'est ça, mais je veux dire, et puis Dieu est pour tout le monde en fait, hein, même pour ceux qui ne croient pas en lui, Dieu agit même dans la vie de ces personnes-là. Oui. J'aime quand l'apôtre dit toujours, toi qui te réveilles, qui t'es réveillé ce matin, mais si on met ton réveil, il dit quoi de et mettre. Si on met ton réveil au cimetière, voilà, personne ne se réveillera. Personne se réveillera. Mais oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, parce que parfois le réveil oublie de sonner, ne sonne pas, mais on va quand même se réveiller à un moment donné. Exact. Mais qui vous réveille ? C'est Dieu. C'est Dieu. Vraiment, c'est Dieu. Ah oui, totalement. Mais c'est ça. Donc, il faut être équilibré, en fait. Il faut vraiment faire preuve d'humilité. Et c'est-à-dire, tu es jolie. Ouais, je sais. Non, merci. Merci. Non, c'est vrai, merci. C'est vrai. Oh, gloire à Dieu. Oui, pourquoi gloire à Dieu ? Parce que c'est lui qui fait ça. Mais vous savez qu'il y a des personnes pour qui c'est dur de dire merci aussi. C'est-à-dire qu'elles sont tellement dans un degré de dévalorisation que...
un compliment, elles vont trouver l'antidote, j'ai envie de dire, à ce compliment. Tu es belle. Ah oui, mais c'est la coiffure qui fait ça. Oh non, mais t'es jolie. Oh, c'est Marisa qui m'a bien maquillée. Alors, on ne dit pas qu'elle ne va pas sublimer parce qu'elle est talentueuse, mais acceptez aussi qu'on vous fasse des compliments. Elle part d'une base, quoi. Elle part de quelque chose qu'elle a sublimé. Voilà, acceptez qu'on vous fasse des compliments et osez le prendre. Vous avez le droit. On c'est a ça. Le droit de recevoir de l'amour, de l'attention, des compliments des personnes qui nous entourent et de les accepter. Parfois, on n'accepte pas de simples choses de la sorte parce que on est vraiment dans une dévalorisation qui est très ancrée et très profonde en soi. Et ça, c'est un manque d'équilibre. C'est ça. Et souvent, ne faisons pas preuve de fausse humilité. C'est ça. Et souvent, comme tu le disais, Daphné et Malex, tout simplement, des fois, on veut mourir aux critiques, mais on ne va pas mourir aux flatteries. On va se dire, tiens, je veux mourir à l'offense, je veux mourir aux critiques, comment je dois faire, Seigneur? Et tout simplement, quand on va recevoir une flatterie, on va bien l'accepter, on va être content, ça va gonfler notre orgueil. Mais par contre, quand on va recevoir une critique, on va recevoir quelque chose de constructif, que quelqu'un va nous offenser, on va mal réagir alors qu'on demandait au Seigneur à l'instant comment je peux faire. Et vraiment, un jour, le Saint-Esprit m'a révélé que quand je recherchais justement à mourir aux critiques, à mourir aux offenses, à vraiment ne plus me dévaloriser, il m'a dit, en fait, si tu veux mourir à l'offense, si tu veux mourir aux critiques, tu vas devoir mourir aux flatteries. Alors, tu peux expliquer ce que c'est que mourir à quelque chose, du coup, parce que tout le monde... Vraiment, le fait de vraiment mourir, c'est que, certes, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le recevoir, qu'on ne va pas l'accepter, qu'on ne va pas y faire face. C'est que, tout simplement, si tu fais face à une offense, à une critique, tu l'acceptes, tu ne bouges pas tes oreilles. Mais par contre, il faudra ne pas engager tes émotions, ne pas engager ta chair, ne pas engager les choses qui pouvaient te retenir à l'avance, comme la colère, comme la tristesse, comme la dépression, ne pas les engager, mais tout en les acceptant, bien sûr. Et pareil pour la flatterie, aimer les compliments, accepter les compliments, comme l'a dit Daphné, dire merci, mais ne pas enfler son orgueil, ne pas également investir ses émotions dans ce compliment, dans cette flatterie, dans ces félicitations. Mm-hmm. Vraiment l'accepter tout simplement pour ce qu'il est et avancer, ne pas rester en fait sur ces choses, tout simplement avancer. C'est vrai, c'est ça. Il y a un temps pour tout. Hein. C'est ça. Et excuse-moi, je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr. Alors, on a parlé d'orgueil qui est, on va dire, un peu grossière, ou communément, les personnes qui en font de trop. Mais j'aimerais aussi parler de l'orgueil subtil. L'orgueil subtil, c'est le fait de se mettre constamment dans une position d'infériorité, même quand ce n'est pas nécessaire. Yes. Ça veut dire que... tu veux toujours montrer comme si toi, c'est... Oh non, c'est moins bien. Oui, oh non, c'est minime. En fait, c'est rabaisser volontairement ce que l'on fait et de ne pas savoir, encore une fois, le valoriser à sa juste valeur. Et ça, c'est subtil parce qu'on va se dire que cette personne, elle est humble. C'est Mais ça. Non, elle n'est pas humble parce qu'elle se sent le besoin... De manifester une personnalité qui n'est pas la sienne. J'espère que vous voyez bien sûr. Ça attire l'attention, ça attire la pitié souvent des personnes. Voilà, c'est pour se faire bien voir finalement que cette personne va faire preuve d'un orgueil que j'appelle subtil parce qu'il est difficile à déceler. Souvent, on va se dire que c'est les personnes qui font « moi, je ». Alors qu'à l'inverse, vous avez les personnes qui sont dans le « moi, je », mais pour être tout le temps derrière. C'est pour ça. Être tout le temps « oh, c'est la petite dernière. Oui, mais moi, j'arrive pas. Je suis petite. Je suis la plus pauvre. Je suis la moins... » Mais c'est aussi « je suis », mais dans un mauvais sens. En fait, c'est pour se faire bien voir des autres. Mais pourtant, ce n'est pas forcément l'essence même, le but de cette personne-là. Et puis, elles ne se rendent pas compte, en fait, ces personnes-là, à ce moment-là. Elles ne s'en rendent pas compte, malheureusement. Comme on l'a dit, en fait, l'éducation joue aussi un très grand rôle. Oui. Donc, à ce niveau-là, certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Il y en a qui le savent. Hein. Mais là, je vais parler de celles qui ne le savent pas forcément. Mais c'est vrai, on va faire des compliments. « Oh, j'aime bien comment t'habiller. » « Ouais, non, je sais pas. »« Oh, j'aime bien comment t'es coiffée, t'es maquillée. »« Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a alors, eu ça. »« Oh, j'ai raté le devoir et tout. » Et puis, tu pètes les scores avec ton 19,5 sur 20, voilà. Par exemple. Oh, là, là. La fausse humilité. Voilà la fausse humilité. J'ai pratiqué. Si vous voulez un exemple un peu plus concret d'orgueil subtil, ça peut être le complexe d'infériorité.
En fait, le complexe d'infériorité, c'est une forme d'orgueil, mais qui est beaucoup plus subtile parce qu'on se dit que la personne, elle se dévalorise. Mmh. Mais tu peux être orgueilleux et te dévaloriser. De la même manière que tu peux être orgueilleux et te survaloriser, c'est-à-dire que tu veux exercer de l'ascendant sur quelqu'un. Mmh. Donc, une personne qui se dévalorise tout le temps, c'est aussi de l'orgueil parce qu'elle ramène tout à elle, mais de manière négative. Donc, l'orgueil, c'est ça, c'est de tout ramener à soi. Peu importe la manière, soit trop, soit pas assez. Exactement. Donc, en gros, n'en faites pas trop. Voilà. Mais n'en faites pas moins non plus. C'est exact. C'est ça l'équilibre, en fait. C'est ça l'équilibre. Voilà, équilibre. Amen. Avant de voir pourquoi est-ce qu'il faut se valoriser, parce que oui, il faut se valoriser, les gars. Oui, c'est important. N'est-ce pas ? On va quand même vous rappeler que vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez, bien évidemment. Si cette émission vous bénit, et ainsi que toutes les autres émissions, bien évidemment. Donc, si vous êtes bénis en étant sur cette chaîne, vous pouvez faire vos dons en utilisant le lien PayPal qui sera affiché juste en bas de votre écran. Voilà. Yes. Donc, on va voir pourquoi se valoriser. Parce qu'il faut se valoriser, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Exactement. Alors, pourquoi se valoriser, les filles ? Parce que tout simplement, qu'est-ce que se valoriser, justement ? C'est quoi ? Pour vous, c'est quoi se valoriser ? C'est s'estimer déjà sa juste valeur. C'est connaître qui nous sommes. Ok ? Mm-hmm. On a dit tout à l'heure que la vérité nous affranchira. Donc, yes. C'est connaître vraiment qui nous sommes à la lumière de la parole de Dieu, j'ai envie de dire. Connaître notre identité. Donc, à partir de là, j'ai envie de dire pourquoi se valoriser, aussi pour impacter. Amen. Parce que nous avons tous une destinée. J'ai envie de dire que nous ne sommes pas nés pour rien. Oui. Donc, en vrai, si tu es né, que tu es là et que tu nous regardes, mais que tu te sens incapable, il y a un problème. Oui, c'est ça. Un problème parce que nous avons tous quelque chose à faire, que le Seigneur attend de nous. La Bible va dire dans Jérémie 29, 11 qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, en réalité, Seigneur. Et c'est vraiment, quand j'ai cherché la définition de valoriser, c'est vraiment donner, faire prendre de la valeur à quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment élever quelqu'un, s'élever soi-même pour que cette personne ou que nous-mêmes nous soyons capables de voir notre valeur et même plus. Mm-hmm. Donc vraiment, c'est quelque chose à vraiment savoir cette question, mais comment on peut vraiment se valoriser et là, dans le milieu encore plus optimal. Quoi. Mm-hmm. Amen. Alors je dirais aussi pourquoi se valoriser ou si on peut aussi comment se valoriser, mais c'est d'apprendre à s'aimer. Vous savez, c'est un commandement du Seigneur. Mmh. Parce qu'on aime beaucoup parler des 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Fraîche. Ok. Alors, on nous dit tout ce qu'on ne peut pas faire. Seigneur, quand même, dans ton infinie sagesse, il n'y a pas des choses qu'on peut faire ? Eh bien, si. Vous pouvez vous aimer. D'accord ? Et la Bible va nous le dire dans Marc 12, au verset 31. Voici le second, donc il parle des commandements. Et c'est bien, Jésus-Christ a condensé. Ok, en 2 commandements, je vous lirai uniquement le second. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Exactement. D'accord ? Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprends à t'aimer et tu sauras te valoriser. Apprends à te regarder dans le miroir sans tomber amoureux de ton reflet comme Narcisse. C'est ça. Mais apprends à te regarder et à accepter ce que tu vois. Ce que tu vois en face de toi, c'est une histoire. C'est un chemin, c'est un parcours, c'est un message, c'est un ministère peut-être. Ce que tu sais de toi, c'est une semence qui va, une fois qu'elle sera en terre, va germer et va produire du fruit en abondance pour des multitudes. On nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. Le Seigneur n'est pas bête. Il veut que nous soyons sages et équilibrés. Yes. Ça veut dire que tu ne peux pas bien aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc pourquoi se valoriser ? Pour savoir valoriser les autres. Amen. Lorsque tu es dans un amour démesuré pour quelqu'un, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie. Exact. Et ça, c'est une chose dont le Seigneur a horreur, l'idolâtrie. Donc l'objectif pour ne pas tomber dans l'idolâtrie face à quelque chose ou à quelqu'un, c'est d'apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Exactement. Il y a aussi les dépendances affectives qu'on peut aussi mettre dans le même registre. En fait, c'est les personnes qui sont dépendantes affectives, c'est qu'elles dépendent de l'amour que vous pouvez leur porter parce qu'elles ne s'aiment pas suffisamment. C'est ça. Donc, on ne peut pas avoir une quelconque relation, donc que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale, peu importe avec une personne, si on ne s'aime pas soi-même. Amen. Parce qu'on est incapable d'aimer, en fait, à ce moment-là. Donc, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer une autre
d'autres personnes. On est juste apte en fait à recevoir et pas à donner. Exactement. Final. Et souvent on se dit, comme disait Daphné, se dire que c'est Dieu qui nous a donné ce corps, c'est Dieu qui nous a donné ce visage, c'est Dieu qui nous a donné cette personnalité, ce tempérament, et que on doit, de toute façon, on va mourir avec. Ah, maintenant je sais qu'il y a la chirurgie, il y a toutes sortes de coaching par rapport à la personnalité, mais finalement le fait de garder en fait ce que Dieu nous a donné, de le perfectionner, de vraiment le mener à quelque chose d'optimal, mais ça nous permettra de vraiment reprendre confiance en nous, de nous valoriser pour ce qu'on est et non pas transformer en fait ce que Dieu nous a donné au départ. C'est super que tu parles de tempérament parce que tout dernièrement on en a parlé dans le cadre de l'église, donc de nos groupes d'édification. En fait, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne laisse rien au hasard. Tu as dit qu'on peut changer au niveau corporel, la chirurgie et tout, mais votre personnalité, vous ne pouvez pas. La personnalité, en fait, c'est l'expression d'une personne. Ce sont les caractéristiques physiques et moraux de quelqu'un. D'accord ? Donc, tu peux changer ton aspect physique, c'est vrai. Mais ce qui est ancré en toi, ça ne changera pas. Apprends juste à l'aimer. Ce qui peut changer, en revanche, c'est le caractère. La Bible veut que nous puissions nous perfectionner dans notre caractère et on retrouve ces points dans Galates 5, 22 avec les fruits de l'esprit, quand on connaît l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi et tout. D'accord ? Mais il y a des choses qui ne changent pas parce que Dieu veut que tu sois original. Dieu veut qu'il n'y ait pas un autre comme toi. On est 8 milliards sur la Terre et tout le monde a sa place. Nous sommes chacun unique. C'est ça. C'est tout le monde a sa singularité. Exact. Donc, il faut qu'on puisse accepter notre singularité. Amen. Notre Seigneur est un Dieu créateur. En tout cas, pour ma part, la première fois que le Seigneur s'est révélé à moi, et c'est une des fois les plus puissantes, en fait, j'ai vu ses mains. Et il bougeait ses mains comme ça parce qu'il voulait me montrer que il est architecte, il est créateur. Et il m'expliquait tout simplement que de par sa créativité, il avait réussi à vraiment décliner une diversité. Vous voyez que même les espèces qui existent sur la Terre, il y a plusieurs espèces pour un groupement, pour un groupe d'éléments. Vous avez les végétaux, il y a certaines plantes qui se ressemblent, mais ce n'est pas la même espèce. On est tous des êtres humains, mais on peut avoir différentes couleurs. On peut habiter à différents endroits de la Terre. Et c'est bon de le savoir. Notre Dieu lui-même valide la différence. Vous avez le droit d'être différent. Vous avez le droit de ne pas penser comme tout le monde. Vous avez le droit de choisir rouge quand tout le monde choisit bleu. Vous avez le droit de vous affirmer et d'être droit dans vos baskets. C'est ça, tant qu'on est sage. Absolument. Tant qu'on est dans la volonté de Dieu, bien sûr. On restera sans oublier la volonté ferme sur nos décisions et sur nos choix. Bien sûr, c'est pourquoi il ne faut pas se calquer sur quelqu'un, en fait. Oui. Parce que cette personne n'est pas ce que vous devez être. C'est ça. Voilà. Donc, si on récapitule un peu, pourquoi se valoriser ? Parce que nous sommes nés pour impacter. Nous avons une mission qui est différente de celle des autres, tout simplement. Se valoriser pour savoir aimer et donc du coup valoriser aussi l'autre personne et aussi pour vivre la vie qu'on est supposé mener, tout simplement, au lieu de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est exactement être ça. Être un imposteur dans sa propre vie. Amen. C'est ça. J'aimerais pouvoir partager. Ouh, excuse-moi, t'avais pas fini de parler. Non, je disais justement, tout simplement que au lieu d'être l'imposteur de sa propre vie, on doit vraiment être le prophète de nos vies. Amen. Et pouvoir Amen. Vraiment prophétiser sur nos vies, parler sur nos vies, au lieu d'usurper l'identité de quelqu'un. Amen. C'est vraiment ça. Amen. Je voulais juste partager un petit verset. Bien sûr. Qui est dans Romains 8 au verset 1. Qui va nous dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors, pourquoi je voudrais partager ce verset ? En général, on est condamné sur la base de ce qu'on fait dans la justice. Voilà, donc tu as volé, tu vas être condamné pour cela. Mais si tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune action. Il n'y a aucune chose qui peut être inscrite dans ton casier judiciaire, j'ai envie de dire, ou le casier de ta vie, qui pourrait faire que tu es condamné. Mais ça se fait uniquement si tu es en Christ. Ça se fait uniquement si tu acceptes le Seigneur. Lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est le don de justice que tu reçois. C'est-à-dire que tu es juste. Et ta personne est voulue et acceptée par le Seigneur. Le fait de savoir ça peut être un bon départ pour commencer à s'aimer et ça peut être une bonne base pour commencer à apprécier et à souligner les bonnes choses que tu découvres de ta personne. Amen. Amen. J'ai envie de dire que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, tout simplement. Amen. Et donc, du coup, dans cette bonne nouvelle, il y a ton identité. Et donc, tu auras la
bonne nouvelle, la joie de découvrir que tu n'es pas ce qu'on avait dit que tu étais jusqu'à présent, mais tu verras que ce que Dieu dit de toi, c'est juste merveilleux. Et tu comprendras en quoi est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc voilà, tout ce qui est chirurgie, etc. Alors, on n'est pas en train de condamner tout ça, hein, d'accord ? Ce n'est pas le sujet. Mais c'est juste pour dire que tout ce qu'on va vouloir faire pour changer notre aspect extérieur n'aura aucune valeur, n'aura aucune portée, n'aura aucun impact si ce que nous sommes à l'intérieur n'est pas révélé, n'est voilà, si on ne sait pas, si ce qu'on est à l'intérieur n'est pas, ben, n'est pas révélé, en fait, tout simplement, si on ne connaît pas la vérité, on demeurera toujours comme un esclave. Esclave des paroles des autres. Esclave, voilà, de l'approbation des autres, effectivement, esclave de ce qu'on voit, voilà, de l'affection, esclave de ce qu'on voit même sur les réseaux, etc. Ne vous fiez pas à tout ça, en fait. Donc, je sais pas, j'aimerais juste encourager quelqu'un ce soir, pour rebondir sur ce que Daphné a dit. Si tu ne connais pas le Seigneur, sache qu'en tout cas, c'est parce que nous l'avons connu qu'aujourd'hui nous savons qui nous sommes. C'est parce que nous avons connu le Seigneur et que nous apprenons encore à le connaître, parce qu'on n'est pas arrivé là où on est, ok. La vie, c'est un processus. Donc nous ne sommes pas arrivés, mais par sa grâce, nous découvrons encore un peu plus chaque jour qui nous sommes. Nous apprenons à nous valoriser tout en étant équilibrés, en étant humbles aussi, en faisant preuve d'humilité. Et preuve de sagesse aussi, je le crois, n'est-ce pas les filles ? Oui. Voilà, donc c'est vraiment en Christ que nous avons connu notre valeur. Avant ça, c'était une catastrophe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce que on reçoit beaucoup de compliments. Ah, les filles, vous êtes trop belles. Ah, c'était super. Ah, c'était ceci, c'était cela. Mais en réalité, même pour qu'on puisse se tenir là sur un plateau et tenir un micro et parler comme ça, être filmé, c'était pas forcément donné, c'était pas forcément facile. Mais ce qui est bien avec Christ, c'est qu'on ne fait pas les choses par nous-mêmes. Amen. Pas par notre propre force, mais voilà, quand il dit Marie-Alexandra, je veux que tu fasses ça, Daphné, je veux que tu sois chroniqueuse, Mylène, je veux que tu sois chroniqueuse, etc. Et nous, on est là, ok, d'accord. Non. Non, on n'a pas envie. Je peux pouvoir raconter. on boude, mais finalement, on se retrouve ici à faire les choses parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous motive, c'est le Saint-Esprit qui est notre force. On ne fait pas les choses par nous-mêmes, c'est lui qui nous conduit. Et on croit vraiment qu'il nous utilise ce soir pour vous impacter et pour toucher vos cœurs. Amen. Quelqu'un a un mot d'encouragement ? Oui. Donc vraiment, je voulais encourager vraiment ces hommes et ces femmes qui vont regarder cette émission à vraiment prendre conscience, à demander à Dieu quelle est leur valeur, qu'est-ce qu'il a déposé en chacun d'eux, quel caractère il veut en fait qu'il revêt totalement et qu'il soit conscient. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine financier, dans le domaine, peu importe ton domaine, que tu sois vraiment excellent et que tu saches te valoriser, mais que tu saches également te fier aux autorités, te fier aux conseils, aux critiques, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, fais ce travail en fait de mourir à l'offense, mourir aux critiques, mourir en fait aux flatteries, et vraiment tu seras la tête et non la queue, et vraiment te dire que Dieu a des choses, des plans merveilleux pour toi, et il ne veut pas que tu fasses preuve de minimalisme ou que tu fasses preuve d'orgueil, mais au contraire, il veut que tu sois équilibré, et tu le seras parce qu'il fera de toi cette belle créature, il fera de toi vraiment cette excellence, cette merveilleuse personne qu'il a conçue dès le ventre de ta mère, quoi. Donc vraiment, je t'encourage à vraiment manifester tous ses fruits et à le rechercher dans sa présence. Amen. C'était deep, hein. Mylène, tu dois prêcher. Amen. Wow. Regardez comment on fait. Daphné, tu as un petit mot d'encouragement ? Alors, je ne vais pas commencer par encourager, je vais commencer par dire bravo. Bravo à toutes les personnes qui sont conscientes qu'elles s'auto-dévalorisent. Bravo parce que malgré le fait que vous dévalorisiez, vous regardez cette émission, c'est parce que vous voulez changer. Amen. Bravo d'avoir pris la décision de se dire « stop, ça suffit, je veux que ma vie change ». Bravo aussi d'avoir tenu le coup, de s'être accroché, même quand ça n'allait pas. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu peux vivre une vie sans avoir à combattre ces pensées finalement qui te détruisent. Il y a une autre dimension pour toi, il y a une autre manière de vivre. Tu peux toi aussi profiter de la vie, tu peux toi aussi vivre ta best life en
croyant tout simplement que Jésus-Christ te regarde avec un regard d'amour, de compassion, de validation. Notre Seigneur est fier de nous. La Bible dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Amen. Dieu fait de nous son sujet de réflexion et d'investigation favori. D'ailleurs, il a tout mis à disposition pour que nous soyons bien à l'intérieur comme à l'extérieur. On dit qu'on doit prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Amen. En te connectant à la source qu'est Dieu, tu verras que ton âme va prospérer. Amen. Tu verras que ton âme sera dans la joie. Tu verras que ton âme sera remplie de force et tu vas le manifester dans tes paroles, tu vas le manifester dans tes choix. Tu feras des choix meilleurs pour ta propre vie. Yes. Tu prendras des décisions qui oseront te faire sortir de ta zone de confort. Vraiment, tente ça. Tente ça, mets vraiment ce problème de dévalorisation devant le Seigneur, faisant une affaire personnelle et deal ça avec lui dans le secret. Et pour finir, pour les personnes qui ne souffrent pas d'auto-dévalorisation mais qui se kiffent, mais continuez, continuez, soyez des lumières, montrez-nous la beauté de ce monde. Yes. On veut vous observer et vous regarder avec du popcorn. Continuez. Oh là là. Avec du popcorn. Mais amen, tu sais, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Je dis déjà un grand amen. Et en fait, pendant que tu parlais, j'avais vraiment à l'esprit les hommes. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a que les femmes qui sont touchées par cette histoire de se dévaloriser. Mais non, les hommes aussi se dévalorisent beaucoup, énormément. Mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus silencieux que les femmes. Ils se montrent beaucoup moins. Donc voilà, ce message, en fait, tout ce que nous avons dit là ce soir s'adresse également à vous, chers hommes. C'est ça. Ne soyez pas découragés. On vous soutient, d'accord? Bien sûr. On vous soutient, on est avec vous, on prie pour vous. Et amen. Voilà, cette émission est également faite pour vous, même si elle s'appelle Les Boss Ladies. Et oui, c'est aussi pour vous les hommes. Exactement. Donc voilà, l'émission est déjà finie. Comme d'habitude, c'est passé super vite. Ok. En tout cas, je voulais vraiment vous honorer les filles, vous dire merci. Merci à toi. Merci Daphné. À Dieu. Merci Daphné. Merci Mylène. Merci pour votre pierre à l'édifice. Merci beaucoup Apôtre. Merci Pasteur Paulette. Merci encore à Sabrina. Merci encore à toi Pasteur Grâce. Merci à vous chers téléspectateurs. Et nous remercions les équipes qui sont derrière, qui nous subliment et qui font que cette émission puisse avoir lieu. Voilà. Nous vous disons à bientôt et ciao, bye bye. Bye. Bye.